Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un unboxing de mon partenariat avec la boutique Craft Ease. Vous savez que je suis très fan de cette boutique et je vous en parle régulièrement sur la chaîne parce que j'adore. Alors, l'envoi est arrivé comme ça. Donc, heureusement encore que c'est dans une boîte cartonnée parce que franchement... C'est pas de la faute à Craft Ease, hein, évidemment, mais c'est les livreurs, c'est vraiment mon Dieu. Ils ne prennent alors en plus marqué fragile et tout, ils en ont rien à secouer. Hein. Ils prennent ça, ils nous le foutent. Franchement, alors c'était JLS qui m'a livré ça. Alors, Craft Ease, c'est toujours livraison en 10 jours. J'ai un code promo, je vous rappelle, de 20% que je vous mettrai sous la vidéo. C'est vraiment... Enfin, moi, vous voyez que des fois, ça n'arrive pas qu'à soi. Hein. On est tous un peu... Ça y est, la bagarre est finie. Voilà, le colis, franchement, c'est abusé. Hein. Franchement, c'est abusé. Mais bon, je ne pense pas que la toile ait quelque chose. Quoique, non, je ne pense pas, mais elle est déjà ouverte, la boîte. Heureusement que c'est pour moi et que je ne comptais pas l'offrir. Hein. Voilà. Ah, purée. Bon. La toile n'a pas un mal. La toile n'a pas un mal et c'était un coup de cœur aussi. Ah, j'en ai plein de coup de cœur sur Craft Ease. Vous savez que j'adore cette boutique, j'adore leur toile, j'adore leur modèle, j'adore les artistes et peintres qui travaillent avec eux. Et j'en suis pas à ma première toile de chez eux et ce sera sûrement pas la dernière. Voici une des dernières nouveautés, pas la dernière nouveauté puisque j'ai commandé cette toile et on m'a envoyé après un mail, vous savez que quand on a déjà acheté sur Craft Ease, après ils vous envoient des mails avec des nouveautés et bah, celle-ci c'était l'avant-dernière nouveauté et il y a encore une nouvelle nouveauté qui vient de sortir. De la nouvelle artiste peintre qui travaille avec Craft Ease. Regardez la jolie toile, waouh, elle est sublime. Elle est pailletée, elle est magnifique. J'espère qu'elle rendra quand même bien la caméra. Franchement, elle est magnifique. Alors, comme ça. Voilà, elle se regarde comme ça. Elle est en... 40 sur 50, donc on va regarder ensemble, ce sont les vraies tailles, hein. Quand je vous dis 40 sur 50, l'image fait 40 sur 50, c'est pas 40-50 avec les bords. Hein. Elle a 29 couleurs, elle est sublime, alors je sais pas, mais je voudrais bien que vous voyez quand même que la toile, elle est pailletée, elle est très très jolie, on le voit. Les symboles, c'est comme d'habitude. Je n'ai rien à dire, c'est nickel. J'apprécie les nuanciers ici, les références en bas à gauche et en haut à droite. Donc on a la photo. Là, vous la verrez bien sur la photo. Voilà, elle est à califourchon, à plat ventre sur sa branche. C'est l'étoile d'Hélène Scott. Hélène Scott et des Scott. Quelque chose comme ça, elle ne m'en voudra pas. Et c'est ça, une des dernières nouveautés de cet artiste. Voilà, on voit les références. Donc, on voit bien qu'il y a 29 couleurs. Ça, ce sont les références qui sont sur la toile. Et ça, ce sont les numéros DMC. Voilà, du code qu'il y a sur les diamants. Alors, évidemment, on va avoir des diamants. Alors, celle-là n'est pas phosphorescente. Hein, ce ne sont pas des diamants phosphorescents puisque j'avais déjà deux toiles. Donc là, j'ai vraiment voulu en prendre une, entre guillemets, normale, mais avec des strass spéciaux ou des diamants AB. Je vois qu'il y a des
symbole un petit peu différent. Alors, il y a du AB. On voit qu'il y a écrit ici AB. Je ne sais plus où, mais je l'ai vu. Je suis à l'envers, alors c'est pas évident pour moi. J'ai rêvé. Attendez, non, j'ai pas rêvé. Là, ils sont plus haut. Voilà, dans les 6, ici AB et 9. Et on va découvrir ensemble les couleurs de cette jolie toile. Alors, on a le kit avec les deux stylets, on a des multi-embouts, on a les deux embouts de mousse pour que le maintien soit plus large, plus épais, deux grosses colles et un récipient avec un embout. Donc c'est nickel, et la petite pince à nœud, mais la petite pince quand même. Surtout que ce sont des diamants ronds et que la pince, j'ai bien qu'on l'utilise pour les diamants carrés, mais pour les diamants ronds c'est un petit peu... Tout est en sachet zippé. Il y a donc 29 couleurs. Alors, on a des AB. Voilà, c'est les fameux neufs que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ils ont une pellicule au-dessus, un petit peu nacrée. Il y a plus de facettes, ce qui permet qu'il y a plus de reflets et qui attirent plus la lumière. Ce sont des diamants AB, Aurore Boréale. Voilà, les initiales d'Aurore Boréale. Donc là, on a des diamants AB. Ça, ce sont des normaux. Hein. Du vert, du rouge, du saumon. Ah, là, on a encore des diamants AB. Donc, c'est les mêmes en jaune. Vous voyez, on voit qu'ils sont reflets. Ils ont des reflets. On a des beaux violets. Ça, ce sont des strass. Parce que le dessous est gris. Donc, ça, c'est des strass que vous trouvez des fois sur les DP partiels. Vous trouvez sur tout ce qui est bricolage, diamond painting. Là, on a des normaux. Des normaux. Des normaux. Là, encore des strass. Un autre rouge. Celui-là est plus bordeaux-grenat. Celui-là est plus rouge-rosé. Voilà. Ce sont des strass. On voit bien qu'ils sont gris au dos. Encore des strass. Bleu-turquoise. Pareil. Ils sont argentés au dos. Ce sont des strass. Donc, j'ai trois sortes de strass et deux sortes de diamants AB. Donc, franchement, sur une même toile, c'est super. Donc, on a cinq sortes. Donc, j'ai 2, 3, 4 et puis 5. Oui. Donc franchement, des AB et des strass spéciaux. J'ai une toile qui est comme ça, je ne sais plus c'est laquelle, mais qui avait aussi un mélange comme ça. Donc les nouveautés, vraiment, elles ont toutes les sortes de diamants, quoi. On peut avoir les diamants phosphorescents, les spéciaux avec le dos gris et puis les AB. Cette toile, comme il n'y a pas les diamants phosphorescents, on a les diamants normaux, les strass et les diamants AB. Donc franchement, elle va être magnifique cette toile. Donc c'est une nouvelle artiste peintre qui travaille avec eux, puisqu'ils travaillent avec des artistes peintres. En fait, ce sont des peintures qui sont mises en diamond painting, en peinture par numéro également. Ils ont beaucoup de choix de peintures par numéro. Et donc, ce sont des artistes de peintres qui sont en partenariat directement avec la boutique Craft Ease. Donc, quand vous achetez une de leurs toiles, vous rémunérez l'artiste. Donc ça, j'adore vraiment cette démarche. Je n'ai jamais été déçue par ce site. Ils ont des très bonnes toiles et je le dis, voilà, c'est mon avis, c'est mon opinion, c'est ma chaîne et j'y dis ce que je veux. Ils ont de très très jolis modèles, de très jolies toiles. Le suivi est au top. Au jour le jour, vous savez où est votre colis. Des fois, deux fois par jour, il y a une mise à jour. Où est votre colis? Voilà, moi je n'ai jamais été déçue sur que ce soit la marchandise. Là, le colis est arrivé un petit peu endommagé. C'était le packaging, quoi. Ça n'a rien du tout à voir avec le site. Et ils ont vraiment des toiles de très très bonne qualité, des peintures. Alors, les peintures, des fois, on les trouve sur AliExpress. Ce sont des pures et simples copies.
Là, ce sont vraiment les peintures originales. C'est eux qui travaillent avec les artistes. Et voilà. Les copies, elles ne sont pas chez Crafties, elles sont sur des autres sites vendeurs de toiles. En tout cas, je ne suis pas déçue. Ce n'est pas la première toile que je vais faire. J'en ai fait 7. Je suis en train de faire la 7e. Donc, franchement, je peux vous dire que j'en ai eu entre les mains. Et je vous conseille ce site parce que c'est vraiment de très très bonne qualité. Des diamants AB, des strass spéciaux. Voilà, c'est vraiment, si vous aimez faire du diamond painting, offrez-vous, mais ne serait-ce qu'une seule fois, ou faites-vous offrir une toile de chez Crafties, vous ne serez absolument pas déçu. Voilà. J'ai un code promo de 20% que je vous mettrai et un lien d'affiliation pour passer commande. Vérifiez bien que le code pourcent a bien été pris en compte. En tout cas, je suis très 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 heureuse de cette toile. Franchement, elle est sublime. Je vous fais des énormes bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite bon week-end puisque je vais publier cette vidéo aujourd'hui. On est vendredi. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye!